vous invite à noter. Parce que les bails pour nous connaître. Nous t'ai dit dans l'émission matin débat. Et Guerrier Henry, bah, j'ai oublié ça. Il t'a invité ici avec Jean-Ismaël Balestin, l'équipe de Boucanté de la Parole. Il t'a dit dans l'émission matin débat que nous t'ai dit déjà dans Radio Signal que la vie du président Jovenel Moïse est en danger. Que le président Jovenel Moïse est en danger. Parce que comme petit nègre qui sortit dans la province, qui vient là dans la province, choisi par le président Joseph Michel Martelly, que classe bourgeoisie a donc rapatrié, dans le monde de Martelly, le président Joseph Michel Martelly qui te voit très mal, et jusqu'à présent je dis que ce petit nègre ça, tête zo, qui cherche qu'on carreau, qui sortit dans la province, que le président Martelly te mette mes sous lui, pour dire que c'est lui qui sera donc le prochain président de la République d'Haïti. Jusqu'à présent d'ailleurs. Eh bien, madame, monsieur, c'est quoi la situation? Tout ça nous est passé dans le pays, il n'y a pas innocent. Tout ça nous est qui prend le passé, qui a passé dans le pouvoir, Jovenel Moïse là, il n'est pas innocent et le pape jamais innocent. Il y a un hasard dans ce qu'a fait dans le pays. Et nous l'avons bien dit à l'émission Matin Débat. Je dis, hein, Jovenel Moïse, comme président de la République, a en fait une certaine redevance, madame, monsieur, envers cette classe économique. Et ceci, c'est tout à fait normal. Parce que l'homme mange l'argent Chango, faut payer Chango. Ceux-là qui avaient investi dans la campagne du président Jovenel Moïse, appartenant à cette classe économique, madame, monsieur, il y a là-dedans qui est très frustré, je dis, hein. Il y a qui est très déçu. Et il y a qui décide que Jovenel Moïse va faire 5 ans. C'est ça qui a passé dans le pays là. Il y a deux bagages qui arrivent là, il faut nous faire très attention. Ou bien Jovenel Moïse nous a assassiné le pouvoir. Ou bien le président Jovenel Moïse a empoisonné pendant le pouvoir. Ou bien il y a une pression qui fait pour quitter le pouvoir. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. Parce que il y a des frustrés dans le secteur économique. Hein? Parce que le président Jovenel Moïse voulait apporter certains changements et décider avec sa fougue, quel que soit Jean-Saïa Fokli, porter changement dans le pays. Et ceci, changement qui pendant intérêt certains secteurs donc de la classe économique, madame, monsieur. Notez pour moi, ce lundi 16 juin, à l'émission Matin Débat, ça que m'baldine qu'on y a là. Il y a 4 contrats qui étaient passés sous la présidence du président Jocelyn Brivert. Comment bien? Jocelyn Brivert a bail 4 contrats à 4 secteurs clés dans le pays. 4 secteurs faisant partie du secteur des affaires, le secteur économique. Et le président Jovenel Moïse arrivé au pouvoir, il classe une question que la combatte 4 contrats ça, la combatte 4 secteurs ça. Et bien, mais toute bataille qui vient là, dans ça qui vient pas avec Jovenel Moïse comme président de la République. Moi, je sais que vient de là, on négocie président de la République. Mis à part toute question de protocole, mis à part toute question et un rapport avec une certaine retenue comparé et un rapport avec le poste de président que vous occupez. Mais pour la grive, il faut pas vérité à la nation. Hein? Tout problème Jovenel Moïse qui est là comme président de la République, parce que justement, il voulait que lui-même c'est le président et que c'est lui-même qui vous menait destiné pays. Eh bien, tout problème que quelqu'un là comme président de la République, c'est que il y a des contrats que le gars amène là, je dis, que le retirer dans les des hommes d'affaires. Et que, qui était déjà signé, adopté et avalisé par le président Jocelyn Brivert. Contrat numéro 1. Madame, monsieur, regardez les notes. Mon crayon, Maquille. Vous êtes à l'émission Matin Débat. Vérité assez là, vous le parlez. Et cela l'a parlé, et cela l'a pas habitué à parler. Contrat numéro 1.
bon contrat qui a à voir avec la question frontière. Et je dis à liberté ou à gagner sous frontière là. Je dis, hein, question contre le bon correct, jusqu'à présent, Jovenel Moïse pour capable de contrôler dans le pays, c'est à partir de ce contrat. Le contrat, ça a monté 1 milliard 100 millions dollars américains sous plusieurs années. Jovenel Moïse décide, il coupe le contrat ça. Bon, qui n'est qui dans le secteur privé, qui a fait l'argent ça, qui parle d'accord avec Jovenel Moïse. C'est contrat numéro 1. 1 milliard 100 millions dollars américains. Signé par le président Justin Bouvier. Eh bien, Jovenel Moïse vini, il coupe contre ça. Il dit, bah, il y a sa pièce. Et que l'agence n'est pas capable de gagoter. Donc, il sous-pays a pendant des années. Contrat numéro 2. Contrat ça, il montait 1 milliard 900 millions de dollars américains. Qui contrat lui d'après nous-mêmes? Contrat qui passe sous gouvernement privé. Pour en partie dans le secteur privé, contrôler pour eux pendant 27 ans. On nous connaît, oui. Ici, on a maté des balles. Nous disons, nous avons pensé que c'est monté. Comme si. Il n'y a pas comme ça. 1 milliard 900 millions de dollars sous 27 ans. Ils ont parti dans le secteur privé, imposé à privé, que le signé. Mes amis, on compte un dossier de si grande importance. Combien fait nous pensons qu'on travaille? Contrat défait, oui, mes amis. Défait papier. Défait papier. Qui engageait l'État pour 27 ans. Pour on partir dans le secteur privé avec un contrôle douanier. Et la donne, monsieur exigeait pour 8% de revenus douaniers. Vine nos poches, la donne. Monsieur exigeait pour 8%. De tout revenu douanier qui est dans le pays, vient dans la poche. Contrat a monté 1 milliard 900 millions de dollars. Jovenel Moïse, coupez ça! Madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. Jovenel Moïse, coupez ça. Contrat numéro 3. Dossier importe. T'es qu'on contrat dans importe là. Montant à 289 millions de dollars américains. Qui passait sous le président Justin Bieber. Je viens de dire, ben, là, ça. Là, il fait une évaluation. Il voit que c'est 130 millions de dollars. Contrat a dû coûter. Et puis là, regardez, il voit que le contrat a coûté 289 millions de dollars américains pour n'importe là. Je viens de Moïse, campé, ben, ça. Il dit, ben, ça, pièce. Mais une situation que ti nèg qui sorti dans le nord-ouest là, nèg pas de père. Mais une situation ti nèg qui sorti dans le nord-est là, yé, je dis là, avec le secteur des affaires, madame, monsieur, le pays d'Haïti. Quatrième contrat. C'est question courante. Jovenel Moïse reviser, remettre tout contrat ça en cause, sous table là. Et puis il dit qu'il a fait courant dans le pays d'Haïti. Il n'est pas capable de un secteur seulement. Il est ouvert dans ses courants. Gabel d'offre qui fait un très combat qui besoin. Eh bien, tout nègre là fâché ou vexé. Parce que courant, monsieur Tap vendu à 40 centimes, je me l'ai une possibilité là pour le vendre courant à 10 centimes. Madame, monsieur, mais 4 contrats. L'opération ensemble deux comme ça, il fait en total, il y a un jeu sous 4 milliards 800 millions de dollars. Ok, mais ça gagne là comme bataille. Mais c'est que l'important pour le pays à connaître. Mais ça qui vient là comme bataille, mes batailles qui vient là. Mes batailles que Jovenel Moïse y est là dans jodi comme président de la République. Maintenant qui bataille que y est là? Et nous te dit déjà dans l'émission Matin Débat. Est-ce que la privé gagne bataille ça? Est-ce que qu'on y a secteur privé là à privé gagne raison sous le président Jovenel Moïse? Madame, monsieur, c'est quoi le plan de ce secteur? De cette partie du secteur des affaires. Madame, monsieur, comprenez également que dans le secteur des affaires, il y a ce qu'on appelle les conservateurs. Il y a ce qu'on appelle les progressistes également. N'est-ce qui c'est conservateur dans le secteur économique, là, il va gagner pour avec le pays. Il est seulement là pour question de l'argent. C'est là qu'on appelle les progressistes.